Voyons, j'ai envoyé mon cheval comme témoin cette semaine. Ça y a bien arrivé. Mais parlons de choses aériennes, mon cher. Ah, vous avez surpris de nous parler des anciens avions et des trucs comme ça, mais je pense que vous avez eu à un moment donné un choc en ayant votre baptême de l'air. Yeah! En fin de semaine, j'ai eu pire qu'un baptême de l'air. Non, j'ai sauté en parachute. Hein? Pour la première, puis la dernière fois de la vie. Comment ça s'est passé? Quand tu pars en avion, tu sais que ton venir à pied, c'est tannant. Hey, tu sautes à 3000 pieds dans les airs. Si tu fais juste 3000 pieds, ça va bien. Si tu fais 3000 pieds, un pouce, t'es mort. Comment ça s'est passé? Avant ça, ils donnent un cours. Là. Tu t'en vas suivre le cours. Tu sais, t'expliques tous les accidents qui peuvent t'arriver. Ouais. T'en choisis un selon ta personnalité. Après ça, t'expliques l'équipement. Là, j'ai une colle pour vous autres. D'après vous autres, la partie de l'équipement la plus importante en parachutiste, c'est... C'est quoi, mesdames? Le parachute. Ben non, c'est les souliers, voyons donc. C'est ça que tu vas faire en premier. Tu veux nous faire marcher? Jamais, si tu penses tomber dans la boîte, ben oui, tu mets des boîtes. Ah, ben si tu penses tomber sur le terrain de golf, tu mets des pieds de golf. C'est ça. Si tu penses que ton parachute n'ouvrira pas, ben là, je vous conseille des semelles bien, bien épaisses. Après ça, il y a des straps partout. Tu sais, les straps, qui tiennent le parachute. Ah, ils t'ont strappé, là. Ah, ouais, tu dis que maintenant, c'est pour tenir le parachute. Ah, parce au bout de ta coûte, tu n'organises pas le faire dans le descendant. En passant, les deux straps, c'est le nom des cuisses, là. Ouais. Serrez l'air. Après ça, t'as le gros parachute en arrière et t'as le petit pied en avant. Ça, t'as le petit parachute comme un spare, comme un robot de chaude. Mais ça, tu peux le reculer, t'en as devant un gros en arrière. Non, mais est-ce que c'est pas comme les choses de voiture que tu souffles dessus? Non, tu vois, tu tires dessus, tu mets ton four. Ah, bon, okay. Mais tu peux le reculer, mais garde le petit sac là-dedans, tu veux mettre, je sais pas, des sandwichs, tu veux un spare de pied. C'est pas bien, ça. Ton parachute, tu peux pas te prendre des. Ah, dis-toi, il appelle ça. Ah oui, il appelle ça un flying bag. Là, ils ont pas prendre ça. Comme ça, là, c'était plus rang. Là, ils t'amènent dans l'avion. Viens, l'avion. C'est tellement plus rang de voler dans cet avion-là, t'as hâte de sauter en parachute. Ah, c'est étudié pour ça. Là, ils rentrent à 3000 pieds. Ah, ouais, les hordes. Là, ça descend 120 000 à l'heure par là. Pas de réservé. Là, t'as peur. Mais moi, je me suis rappelé que mon instructeur m'avait dit, Roland, faut pas être peur. Au premier saut, tout est automatique. Automatiquement, ça ouvre. Ah, c'est parfait. Si ça ouvre pas, automatiquement, tu meurs. Tout est automatique. C'est pensé, ça. Oui, heureusement, ça l'a ouvert. Oui, tout a ouvert. À quoi t'as pensé pendant que t'as... Ben, moi, j'ai crié, Roland! Roland, il est resté ici dans le gros. Ah oui, il est resté pris là. Donc, j'ai peur. Ben oui, c'est haut, ton métier. Est-ce que c'est au cours de ce saut en parachute que tu t'es comme ça, ouvert un petit peu les joues des pantalons? Non, hein? C'est d'être assis dans l'avion. Hé, hey, ma 3000 pieds, le cheval à 3000 pieds, il était. Ben, il était gros de main, il était à côté de moi, tiens. Ouais. Ça, j'ai pensé, j'arrête de faire ça, moi. Ça suffit. Ah, fini. Hey, moi, j'ai descendu les instructeurs de parachutistes. Eux autres, pour faire leurs frais. Ils sont à n'importe quel 100 000 ans. Ils mettent une petite chaise soleil à l'aéroport, quelque part, puis ils arrivent carré sa petite chaise. Ben, moi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? À mon premier saut, de 3000 pieds dans les airs, je suis arrivé carré sa petite chaise. Ah, ben, bravo! Bravo, mon cher. Comme moi, la chaise était deux sous-sol de maison. Il a fallu que je passe là, puis la fond, le plancher, avant d'arriver sur la fin. Il y avait deux fois quelqu'un sur la fin. Et pour finir, là, j'aimerais encourager Michel Louvain, quand c'était le ton. Hi-ha-la! J'aime ça, mais. Puis l'année prochaine, il va avoir le téléton Roland. Hi-ha! La chanson thème, ça va être Hi-ha, the world! Hi-ha! Ça va être un téléton au profit de quoi, mon chéri? Au profit de mon frère. Ben, c'est ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on va aller voir. On va aller voir notre camarade, un petit peu, je ne sais pas si on peut tirer. Jean Baugé qui est là-bas. Oui, toujours au théâtre de Nice. Ça va, mon père Jean?